yours. Connaissez-vous le convoi de l'extrême, les transporteurs de l'extrême ou encore les routiers de l'extrême? C'est pareil. Vous savez, c'est ce genre d'émission où des routiers hors du commun tels de super-héros transportent des tonnes de palettes de madeleine d'un point A à un point B. Et bien souvent, au point B se trouve la cantine d'un petit village avec des centaines d'enfants affamés. Et bien aujourd'hui, ça va être notre devoir de livrer ces tonnes de palettes de madeleine. Je sais absolument pas pourquoi je sors ça, mais c'est que la dernière fois, j'ai regardé justement le convoi de l'extrême et il devait transporter de la nourriture à la cantine du coin. Aujourd'hui, messieurs dames, bienvenue dans Splinter Mud Runner. Et franchement, ça a l'air super cool. Alors, j'ai jamais joué, encore moins au 1. En fait, le 1, c'était Splinter tout court. Là, ils ont sorti, on va dire, une sorte de gros DLC. Et en fait, du coup, on va devoir jouer les convoyeurs de l'extrême. C'est un truc de fou parce que c'est de la simulation, mais à l'état pur. Moi, je kiffe vraiment regarder toutes ces genres d'émissions. Alors, attendez, avant tout ça, je vais vous dire quand même ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Donc, je vais vous montrer un petit peu la carte. Nous, on se trouve ici. J'ai démarré exactement d'ici. Et je peux vous dire que pour aller de là jusqu'à là, c'est toute une aventure, mon vieux. C'est toute une histoire. Peut-être dire qu'il s'en est passé des péripéties. Et là, j'ai fait une petite pause à la station-service. Et nous nous dirigeons vers le prochain camion à débloquer et la station de chargement qui est juste ici. Nous allons tenter d'emprunter aujourd'hui le chemin le plus court, mais pas le moins évident, ça c'est sûr. Après tout, on est des routiers de l'extrême. On va devoir passer par ici, entre les forêts. Ensuite, on va se faufiler dans les marécages. On aura très certainement besoin de notre treuil pour nous tirer d'affaire. Puis nous rejoindrons la route juste ici. Distance, 308 mètres. Un jeu d'enfant pour un routier de l'extrême comme moi. Bon, et bien c'est parti les gens. Alors là, je suis sur une simulation, mais la plus totale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'ai carrément le volant, j'ai la boîte de vitesse, j'ai l'embrayage. Nous, on va passer par ici. Oh là là, ça va être la mission, mais un truc de malade. Je ne sais pas du tout si vous connaissez ce genre de jeu. En tout cas, si vous kiffez, bien comme d'hab les gens, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous sur G2A si vous voulez l'obtenir pour moins cher. Bien entendu, toujours. Oh là 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 là. Alors là, je vous le dis, on n'a pas pris le chemin le plus évident. Mais en revanche, on va prendre le plus court. Et vraiment, mais moi, je kiffe toutes ces émissions. Les transporteurs de l'extrême, les routiers de l'extrême. Vous savez, c'est ces gars-là qui traversent carrément. Genre, je regarde beaucoup à la télé, c'est les gars qui traversent l'Alaska. Ils passent carrément dans des forêts, ils font des drifts avec le machin, mais je t'explique même pas et tout. T'as des épisodes qui se passent en Alaska, ils traversent des lacs gelés et tout, t'en as qui se passent en Inde. Ce bordel. Alors, j'ai essayé juste une fois, avant de le démarrer, bien entendu. Oh my god, ça va pas passer. Merde, on est en train de caler. Vous voyez qu'en fait, j'ai démarré du garage, j'ai été jusqu'à la station de service. C'était vraiment histoire de me familiariser un petit peu avec les contrôles du jeu. Et je peux vous dire, mais que c'est tellement kiffant. C'est un truc de malade, regardez ça. La physique, elle est tellement bien faite. Vous avez bien entendu une petite vue cockpit. On va passer la 3. Et je peux vous dire que je commence à être un pilote, mon vieux, mais... Oh, mais attendez, j'ai l'impression qu'on est déjà arrivé. Voyez, avec un pilote comme moi, ça va super vite. Bah bien sûr qu'on est déjà arrivé. Impeccable. Et regardez tout ce qu'on a traversé. Toutes les routes qui s'éclairent comme ça, c'est les routes que j'ai empruntées. Tout ce qui est gris, c'est ce que j'ai pas encore vu de la map. Mais je vous le dis, c'est vraiment tellement kiffant, quoi, ce jeu. Vraiment, je kiffe, quoi, la simulation comme ça et tout. Donc, nous, on va se rendre jusqu'à la Syrie. Déjà, on va aller jusqu'à la route ici, 307 mètres. Ok, un jeu d'enfant. En fait, si vous voulez, sur le camion, vous avez carrément... Regardez. Je vais vous montrer. Par exemple, j'ai les touches pour activer toute la traction des roues, en fait. C'est-à-dire que là, toutes les roues sont tractées. Et là, seulement les roues arrière sont motrices, quoi. Après, vous avez le blocage différentiel que j'active avec la touche... Oh, putain. Que j'active avec la touche Q. Si vous voulez, le blocage différentiel, ça va permettre beaucoup plus de suspension aux roues arrière de notre camion. On va dire que les roues épousent bien la forme du terrain, quoi. Si je puis dire ainsi, dans un terme de non-routier. Mais parfois, désactiver le blocage différentiel, eh bien, ça permet une meilleure accroche du camion. Voilà, on va passer comme ça, tranquille. Oh là là, mais c'est tellement kiffant, quoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous kiffez ce genre de jeu. Moi, vraiment, mais je m'éclate là-dessus. C'est un truc de malade. Au final, c'est un petit peu comme un Euro Truck 2, mais version Warrior. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Putain, j'ai encore calé. Euro Truck, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus détente que Mud Runner. Là, vraiment, vous êtes aux aguets. Enfin, non, tu me diras, celui-là, il est aussi détente que Euro Truck 2. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues comme ça, franchement, moi je kiffe. Mais après, c'est pas le même gameplay, quoi. Ça a rien à voir. Ok, regardez ça, on est arrivé. Et là, on est en train de s'enfoncer dans la bouillasse, mais c'est un truc de fou. De toute façon, vous allez voir, si on s'enfonce dans la bouillasse, on a... Attendez, oh putain, j'ai calé. Merde, j'ai oublié d'éteindre le moteur. Si on s'enfonce dans la bouillasse, on va avoir carrément des treuils qu'on va pouvoir attacher aux arbres et tout pour s'en tirer. Attendez, par exemple, là, je vais voir où est-ce qu'on en est.
Donc, ouais, ça va tranquille. On va passer dans les grosses flaques d'eau, là. On va aller débloquer ce camion qui est juste ici. Mais là, ça va être un truc de malade. Let's go! Oh, putain, regardez. Mais regardez comment que c'est tellement bien fait. C'est tellement cool, quoi. C'est trop classe. Vraiment, je kiffe. Là, voilà, je vais m'en servir, histoire de vous montrer. Voilà, par exemple, regardez, je suis coincé. Je prends mon treuil ici. Je l'accroche à un tronc d'arbre. Et j'aurai juste à tirer le treuil. Bien sûr, si je veux pas que l'arbre y cède, je l'aide un petit peu, j'accélère. Voilà, une fois que je suis débourbé, eh bien, j'ai juste à relâcher le treuil. Vous voyez? Et franchement, mais c'est juste excellent. Regardez, vous avez carrément des troncs d'arbres sur la route. Ça peut carrément vous gêner et tout. Là, par contre, on peut activer le blocage différentiel. Hein. Voilà, ça va permettre un peu plus... Salut collègue, on va pouvoir prendre le camion justement. Changer de camion et on prend le B131. Non. Avec le B131, je vais pas pouvoir charger du bois par contre. Je suis pas sûr là. Non, bah écoutez, on va reprendre l'autre parce qu'en fait avec celui-là on va pas pouvoir charger de bois, je crois. Ça va être la merde. On va plutôt reprendre celui-là parce que là on va pouvoir charger du bois. Avec l'autre, ça va être la merde. Parce qu'en fait, je vous explique. Merde, le frein à main. La mission d'aujourd'hui, c'est charger du bois et aller le livrer dans la scierie. Mais ça va être toute une aventure, moi je vous le dis franchement, ça va être un truc de malade. Regardez déjà, je suis en train de m'embourber, mais à moitié. Enfin à moitié, complètement j'ai envie de dire. Normalement, je pense qu'on va pouvoir charger juste ici. Charge! Voilà, impeccable. Yes. Donc on va se prendre... Si on prend des courts, ça fait 3 points. Des moyens, ça va nous faire 4 points. Et des longs, ça va nous faire 6 points. On est des routiers de l'extrême ou pas, nous? On prend les gros. Allez, vas-y, fais péter, mon vieux. Votre camion actuel ne peut pas transporter chargement. Sérieux? Ok, d'accord, nous, on peut prendre que des moyens. La remorque doit être alignée avec le véhicule et le plateau doit être à l'horizontale. Ah, ok, d'accord, putain, c'est à ce point-là. Voilà, oh putain. Oh la vache, mon vieux, comment que ça m'a chargé le camion. Alors là, par contre, avec le chargement, je pense qu'on va aussi gagner en adhérence. Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est que la physique de ce jeu est vraiment mais représentée à la perfection, quoi. C'est vraiment exactement comme les émissions que je regarde et tout, les convois exceptionnels, les convois de l'extrême, tout ça, tout ça. C'est vraiment excellent, quoi. Alors attendez, nous on part d'ici, on doit se rendre ici. Vous voyez la mission? Nous on va tenter d'aller jusqu'à la station service ici. En plus, ça va nous faire déverrouiller un bout de map. Donc déjà, hop, on va aller jusqu'ici. Crac, on se met un petit truc. 319 mètres, c'est parfait. Oh là là, comment qu'il galère le camion. La troisième, elle passe pas. Déjà la deuxième, c'est chaud. Ouais, non. Putain, la troisième, elle passe pas, quoi. On va nettoyer un peu le camion. Oui, ça passe. Ça, c'est joli, ça. Voilà. Alors, faut peut-être éviter un maximum, quand même, les grosses flaques d'eau. Et je peux vous dire que le retour de force, mais il est géré, mais à la perfection. En fait, si vous voulez, quand vous passez, par exemple, dans des gros tas de boue, vous sentez bien que votre direction, elle patine, mais complètement. Vous êtes... vous voyez? Là, ça patine, là. Quand on est bien dans la boue et tout... Attendez. On va ouvrir la carte. Oups là. Par contre, je vais caler. Moi, je veux bien continuer tout droit, mais est-ce que ça va déverrouiller la map? Attendez, est-ce que c'est par là? On va plutôt passer par là. Voilà, un petit peu d'adhérence. Ça fait pas de mal. Oh là là, c'est tellement stylé. Oh putain. Laisse tomber, mon vieux. Mais laisse tomber, je suis en train de tout arracher, quoi. Allez, vas-y, monte. Je vais peut-être activer blocage différentiel. Je sais pas trop ce que ça fait comme différence avec le blocage différentiel. Je sais que ça donne plus de suspension à l'arrière, mais est-ce que ça redonne vraiment de l'accroche au camion ou quoi? What? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Attends. D'accord. Et comment je suis là, hein? On s'est foutu dans une mer de noir. C'est la mer noire. Je pense qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au point de vue. À mon avis, ça doit être ça qui fait débloquer la carte. What? Ta. Est-ce que ça passe d'après vous là-dedans? Ouais, ça va passer, vous inquiétez pas. Au pire, on a un treuil, hein. Ce que je voudrais pas, c'est retourner la marchandise. Ouais, c'est tellement la mission, mon vieux. C'est tellement la galère, c'est un truc de fou, quoi. Tu peux le faire, mon gros. Ouah, ça va être chaud. Je désactive le blocage différentiel. Ouais, yes, regardez ça. Regardez, c'est bon. Oh là là, je suis en train de passer, mais dans la forêt. Putain, merde, la route, elle était là-bas. Bougez pas, attendez, je pense que je vais sortir le treuil. Ouais. Allez, vas-y.
Allez, yes. C'est bon, tranquille. On va tenter d'aller choper le point de vue. Allez, yes, c'est bon, carte disponible. Wouh, putain, comment que c'était chaud, mon vieux. Laisse tomber. Allez, marche arrière. Ah, putain, on est complètement bloqué à l'arrière également. Est-ce que j'ai moyen d'accrocher mon treuil quelque part? Ouais. S'il y a moyen de faire comme ça. Allez, ça passe. Ouh, putain. Bon, vous inquiétez pas. Jolate, le routier de l'extrême, va nous sortir de là. Oh non! Non! C'est la fin, mes amis. C'est la fin. Fallait que ça arrive. Fallait bien que ça arrive, de toute façon. Bon, après, c'est pareil. On va dire que je découvre tout juste le jeu. Je me familiarise, on va dire, un petit peu avec l'ambiance dès qu'on voit de l'extrême et tout. En tout cas, si vous avez kiffé, ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on aille retenter notre chance. Ça pourrait être cool. En tout cas, moi, je suis bien chaud. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye bye. Ah, ben là, le camion, il est mort.